qui, encore une fois, entre les spécialistes du 3000 plat et les spécialistes du 3000 mètres steeple, il y a de quoi faire une belle course. Ah, bien sûr, hein, Samir, vous l'avez dit, Djilali Badrani, champion du monde militaire aussi du cross-court. Hein, c'est un énorme on talent, ce garçon-là, peut-être le talent qu'on attendait hein, pour prendre justement le flambeau de Maïdine Mekessi. Une course en tout cas plein de talent, vous l'avez dit, vous avez cité Jimmy Gressier, vous avez cité Djilali Badrani, Johan Koval hein, qui lui est toujours là. Hein, on a l'impression qu'il est là depuis 20 ans, hein, Johan Koval. Et Simon Denisel qui lui a déjà réalisé le niveau de performance requis sur 1500 mètres. Qui n'a pas de perf sur 3000 mètres cette saison, qui vient lui réaliser une grosse perf. C'est le tenant du titre. Hein. On se rappelle du côté de Liévin Samir. Ah, il faudra gagner cette course avec un minima européen 8,05. C'est largement dans les corps de beaucoup de garçons. C'est pour ça que personne n'a fait l'impasse hein, sur ce 3000. Beaucoup auraient aimé courir un 1500 mètres pour pouvoir se préparer pour les championnats d'Europe tranquillement. Sauf que regardez-moi ce garçon, Jimmy Gressier. Lui va, il le sait. Son point fort, c'est le train. Il est fou hein, dans sa tête, Mehdi. Ouais. Et il n'hésite jamais justement à prendre les courses à son compte et à se lancer, Jimmy Gressier. Ouais, on se rappelle, hein, du côté de Chipper, c'est comme ça qu'il est allé chercher son titre de champion d'Europe de cross, tout seul, devant. Et encore une fois, c'est un garçon qui n'a absolument pas peur de faire du train. Il s'en aime. Il se sait un petit peu moins fort que beaucoup de spécialistes, notamment Simon Denisel, Djilali Badrani sur les derniers tours. Donc il va essayer tout simplement de faire exploser tous les garçons au train. Allez, dernier essai à 4m73 pour le record de France du saut à la perche pour Ninon Dion Romarin. Et encore une fois, ça manque d'avancer. Hein, Romain Belvita, pour le coup, elle l'a peut-être pris aussi un peu en montant là-bas. Elle le prend un peu en montant avec les. Effectivement, c'est un peu les mêmes erreurs qu'on retrouve à chaque fois. C'est-à-dire que là, on met plus dans sa courbe d'élan. Elle se retrouve un peu proche, un peu arrachée en bas. Et donc, c'est dur de rester en sa perche. Elle a les pieds qui filent sur la barre. Et elle fait tomber cette barre de 4m73. Ah, c'est dommage, on va certainement la retrouver au micro tout à l'heure hein, de Marie-Zévan GP, Ninon Guillaume Romarin qui a tenté donc ce record de France alors que l'on retrouve eh bien Mehdi Jimmy Gressier, mais franchement il a une caboche complètement déglinguée ce garçon. Ouais, on adore ça. Il essaie de faire exploser tous les cadors. Hein, d'ailleurs on voit hein, Johan Koval qui lui dans le troisième peloton. Avec toute l'expérience de ce garçon là, il va essayer de venir tranquillement au train, ça va forcément baisser de régime à un moment en tout cas, il l'espère. Bedrani est là hein, en embuscade et puis Simon Denisel, on l'a vu Mehdi. Ouais, on est sur des bases de 7,50 hein, Samir. Largement inférieur au niveau de performance requis qui est de 7,55. Ah, il va tout tenter hein, Jimmy Gressier. Ah, ça, il est pas là, il est certainement dans sa télé. Et d'ailleurs, il est beaucoup interrogé autour de lui. Avec son entraîneur, on n'avait pas sa vie aujourd'hui pour le 60 mètres. Mais forcément, rester un petit peu sur sa fin. En tout cas, le Jimmy de la journée, c'est lui, Jimmy Gressier. Plein écran, ce garçon-là, plein de talent, vous l'avez dit Samir, qui est en train de faire exploser tous les meilleurs. Djilali est bienvenu quand même hein, avec Simon dans la roue. Ouais, c'est pas fini, regardez, il demande de prendre le relais. Ah, mais il n'y arrive pas. Guillaume Victor. Voilà, sur le premier relais de Jimmy Gressier. Ça passe pas, il se retourne plusieurs fois, il fait signe de la main. Romain, ça allait forcément ralentir à un moment, et c'est maintenant. Ça ralentit, vous voyez. Djilali qui revient, Simon Denisel qui revient, et Johan Koval, on l'a dit avec toute l'expérience de ce garçon-là. Qui il a gratté, hein, mais c'est oh, il a gratté Johan. Il a amorti un départ surpuissant de Jimmy. Et Simon Denisel essaye de recoller aussi à Bedrani. Bedrani essaye lui de recoller à Denis Ruto, le Kenyan de la Semiramas. Et les favoris sont là. Jimmy Gressier, Ruto, Bedrani, Denisel, Koval recolle. Il n'est en queue de peloton Koval. Les meilleurs sont là clairement Samir. Hein. Vous l'avez dit. Hein. Jimmy Gressier, Bedrani. Simon Denisel et Johan Koval qui sont tous en route pour aller chercher un titre mais aussi les minima pour les championnats d'Europe de Glasgow. Rabil Doukana de l'US Créteil, le Marocain, et bien le dernier parti de performance, il est avant-dernier. Samir,
prétend participer au prochain championnat d'Europe. En capacité d'aller chercher ces trois billets, ces trois tickets. Attention, vous l'aviez dit, hein, Mehdi, au panache de Simon Denisel. Il nous avait emporté du côté de Liévin sur le 1500 mètres. Et c'est bien, regardez Ruto qui prend un relais pour Jimmy Gressier. Ça a peut-être le soulager un peu, ça, même si c'est tard. Absolument, et ça va relancer un petit peu. Maintenant, relayer. Ça va faire du bien, Jimmy Gressier qui va pouvoir récupérer tranquillement, si on peut dire ça comme ça, 5000 droits. Affinity de Liévin. Et Jilai Badrani, qui reste tranquille. Elle est belle cette course, on savait que c'était l'une des meilleures de la journée avec Ruto, Gressier, Pedrani. Sans longueur, on connaît désormais les trois premiers de la finale. Reste à savoir dans quel ordre il est troisième pour l'instant. Cédric Dufag. On va faire un effort de plus avant le dernier tour. Yoann Cobal. Cédric Dufag, 7m 67 comme Augustin B. Il a un meilleur deuxième à 7m 52 quand Augustin B a réalisé 7m 59. Dans cet effet accordé, on voit que eh bien, ce peloton est en train de se resserrer. Il y a beaucoup moins d'écart entre les athlètes. Clairement, Samir, à 4 tours de l'arrivée, ça, ça ne sera pas mieux. Cédric Dufag sera médaillé de bronze des championnats de France. Ils sont en 4 en capacité d'aller chercher 3 billets pour les championnats d'Europe. Il sera ça va être très pour la Regardez Yoann Cobal qui est en train de faire un petit effort et qui se repositionne. Il faut aller au-delà de lui faire la victoire. Il vous donne le rythme. C'est maintenant que ça va jouer. Avec lui. C'est maintenant que les Cador vont devoir sortir et se montrer un petit peu, mouiller un petit peu le maillot, j'ai envie de dire. Oh, l'attaque de Ducana qui se fait repousser par Pedrani et Gressier en taulier. Il me fait penser à Mehdi Bala en restant, regardez, sur l'épaule extérieure du premier. Samir, je mettrai une petite pièce sur Pedrani parce que lui, il est tranquille. Ah, il a été protégé, il attaque. Regardez Mehdi, il attaque. Ouais, petite erreur pour le coup de Jilali qui passe à l'intérieur. Ça peut être dangereux. Regardez le Kenyan qui l'a. Eh ouais, mais il est solide, il est passé devant. Jilali Pedrani en tête. Et il va imprimer un rythme maintenant, son rythme. Jilali Pedrani à un peu plus de 400 mètres de l'arrivée. Et Jimmy Gressier est toujours là. Malgré le fait qu'il a fait la course en tête depuis le début. Il reste au contact sur l'épaule extérieure. Le Jilali Pedrani, vous avez vu juste les deux, sont tellement costauds. Alors, détaillé. Jimmy Gressier n'a pas réalisé la performance de cette saison pour les championnats d'Europe. Il est obligé de gagner cette course avec les minima européens, 8-0-5. Mais ici, pour les Tunisiens, il est aussi dans la même configuration. Lui aussi est obligé de gagner avec le minima européen 8-0-5. Est-ce qu'on peut avoir les minima, les NPR là, 7-5-5, c'est encore possible, on l'a dit. Regardez, en plus, c'est largement possible. Jimmy Gressier sur Jilali Pedrani avec toute son expérience qui l'a repoussé, qui est resté solide dès qu'il est dans le virage. Jilali, je vous l'ai dit, une petite pièce sur Jilali Pedrani. Oh, il est tranquille. Jimmy qui fait une très belle course, Samir. Il continue, il a lancé le sprint Pedrani, mais Jimmy Gressier ne lâche pas. Qu'est-ce qu'elle est belle cette course avec Jilali Pedrani qui reste en tête. Jimmy Gressier qui tente de revenir, mais il est trop facile, Jilali Pedrani. Et il y aura un niveau de performance possible pour les trois. Et bien, je vous le dis, on espère que le DTN fera le choix, mais les trois vont partir. Génial cette course des championnats de France. Ouais, c'est quasiment sûr hein, pour Jilali Pedrani. Effectivement, Jimmy Gressier qui lui aussi descend son niveau de performance requis. Et Yoann Cobal en patron qui a très très bien maîtrisé cette course-là pour simplement aller chercher le niveau de perfection de Lucien Pablo, qui sera le malheureux de cette course-là, qui lui aussi sera descendu sur le LPR, je crois, à confirmer. Et on est en train de prendre à l'instant, Jimmy Gressier, niveau de performance moyenne, il a bien fait moins de 7,55. Mais dit franchement d'envoyer un vif au français à Pablo, vous devez forcément. Il aurait mérité Jimmy, parce que c'est un peu grâce à lui que tous ces garçons-là sont allés chercher toutes ces perfs-là.